Vous êtes sur Sensation et je suis avec Sarah Forever. Alors Sarah Forever, comment est-ce que vous avez connu et commencé le drag? J'ai connu et commencé le drag par le théâtre. Je travaillais avec des amis metteurs en scène de théâtre contemporain qui m'ont mis en drag pour la première fois sans jamais nommer ça comme étant du drag. Mais j'étais en full body painting, c'était 5 heures de maquillage, je me souviens, de préparation. Et j'ai commencé vraiment le théâtre sur les planches, par le théâtre. Alors parlez-nous de Sarah Forever, comment est venu ce personnage et qui est Sarah Forever? Sarah Forever, j'ai l'impression, enfin j'ai pour habitude de dire que c'est moi mais en pire, donc j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un personnage, c'est juste moi mais qui me permet d'être encore plus méchant, sublime, drôle, incisive que ce que je suis dans la vie. Que vous apporte le drag au quotidien? Ça m'apporte beaucoup de névrose, je trouve, enfin encore plus révélée, beaucoup de doutes, mais beaucoup de passion et beaucoup d'amour, vraiment. Alors, on vous a, vous êtes surtout réputé maintenant pour votre fameuse chanson Sarah Forever et aussi pour ce petit mouvement que vous faites avec la frange. Ça a été repris, on vous a même proposé, ou en tout cas, il y a eu des rumeurs comme quoi vous alliez participer à l'Eurovision. Sarah Forever à l'Eurovision, est-ce que ça serait possible? Ça serait possible, mais je peux pas décider de tout. J'essaye au maximum, mais non, oui, ça serait. Enfin, je pense que ça serait possible, mais c'est une question de volonté, mais la volonté vient pas de ma part. Dans votre drag, finalement, en participant à Drag Race France, vous avez montré justement ce grain de folie. Vous avez aussi transmis beaucoup de messages. Est-ce que l'art du drag doit transmettre des messages? Oui, il doit. Après, je trouve qu'il transmet des messages par essence. Si on se pose la question de s'il doit, c'est déjà qu'on est sur le mauvais chemin. Je crois que c'est ce qui nous a tous et toutes poussés à faire du drag. Donc, il ne faut pas se poser la question de s'il doit, il faut juste faire, vraiment. Quels sont les prochains projets de Sarah Forever? C'est le retour à des seuls en scène, pas mal de collaborations en termes de musique notamment. J'ai fait la couverture d'Antidote aussi qui va sortir très prochainement. Voilà, plein de projets artistiques, mais surtout le retour à la scène et des seuls en scène. Alors on est là ce soir, c'est pour parler du livre Reine, l'art du drag à la française. Moi je vais vous poser la question, l'art du drag à la française, selon vous, c'est quoi? Je trouve que c'est un drag qui est très expérimental, assez engagé, assez politique, par essence tout drag est politique, mais je trouve que c'est un drag qui, c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment, notamment avec l'émergence de Drag Race, parce que je trouve qu'en France, on a pris un peu le contre-pied et je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements de drag qui sont en train de se mettre en place pour essayer de repenser le drag avec Drag Race, c'est-à-dire soit prendre le contre-pied, soit embrasser totalement ce phénomène. Et du coup, je trouve que c'est un drag qui est beaucoup dans la recherche, qui se remet beaucoup en question et qui vient trifouiller là où ça fait mal. Vous comprenez aujourd'hui justement cet engouement en seulement 2 ans, le drag a pris vraiment en popularité grâce à Drag Race France? Absolument pas. Non, je comprends, c'est parce que c'est un... Ça touche à tout, ça vient soulever notamment des questions de société, ça vient soulever aussi des questions qui relèvent de problématiques plus intimes. Mais c'est ça la force du drag, c'est que c'est des problèmes intimes à l'origine qui arrivent à toucher un maximum de personnes parce que ça vient toucher les gens dans leur histoire personnelle à des endroits différents. Donc je ne suis pas très étonné parce que c'est une question de faille et de blessure interne, le drag, beaucoup, et de comment penser ça. Donc ça parle à tout le monde, c'est assez universel. Et vous estimez justement qu'à travers votre drag, mais également Drag Race France, il y a eu des blessures qui ont été entre guillemets pensées, des gens qui finalement vous envoient des messages positifs grâce au drag? Oui, moi je reçois beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu dire ou faire, et c'est ça vraiment fédérer autour d'un art, c'est arriver à ce que des blessures deviennent des poésies un peu partagées, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, en tout cas moi c'est ce que je fais un peu tous les jours, je crois. Merci Sarah Forever d'avoir répondu à nos questions.